Bonjour à tous, c'est Lilo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de ce défi 7 bambins. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si vous ne voulez pas louper une miette des derniers épisodes de ce défi. Il nous reste 3 jours Sims avant que les bambins ne deviennent des enfants. On va donc faire le tour de leurs compétences. Attendez, je vérifie que c'était bien 3 jours Sims. Oui, on est bien à 3 jours Sims. On va faire le tour des compétences de chacun pour voir où est-ce qu'on en est. Alors avec Donna qui est en train de dormir juste ici, on a mouvement 3, communication 5 sur 5, c'est terminé. Réflexion 1, imagination 3 et peau 3 sur 3, c'est terminé. Améthyste, mouvement 4, communication 5 sur 5, c'est terminé. Réflexion 1, imagination 2, peau 2. Elle peut aller sur le pot toute seule, donc on n'aura plus besoin de l'aider. On lui fera aller sur le pot de temps en temps, mais voilà, on n'est plus obligé de la surveiller. Joss, mouvement 5 sur 5, terminé. Communication 5 sur 5, terminé. Réflexion 1, peau 1, imagination 2, peau, il faut qu'on l'aide encore avec Spencer. Jamie, mouvement 3, communication 4, réflexion 1, imagination 2, peau 2, pareil, il doit être aidé, je crois, encore de Spencer, il peut pas y aller tout seul. Si, il peut enfin y aller tout seul, mais avec Jamie, on est complètement à la ramasse. Je pense que c'est le petit oublié du fond de la classe. Il faut vraiment qu'on s'occupe de lui, parce que le pauvre, il est tout seul depuis le début du défi, et il a la ramasse sur toutes ses compétences. Chester, qui est juste ici, mouvement 3, communication 4, réflexion 1, imagination 3, peau 2. Un peu à la ramasse, mais moins, mais je pense que ça va venir, parce que là, mouvement et communication, d'ici la fin de l'épisode, c'est sûr, il est 5 sur 5 pour les deux. Robson, mouvement 4, communication 4, réflexion 1, imagination 2, peau 2. On est un peu à la ramasse aussi. Et Norine, enfin, qui est en train de dormir, mouvement 4, communication 5 sur 5, c'est terminé, réflexion 1, imagination 2, peau 2. En règle générale, le pot, ça va pour tout le monde, sauf du coup, Joss. Joss, il faut vraiment qu'on l'aide. La réflexion pour tout le monde, c'est catastrophique. Attendez, hop, j'ai testé du coup, pour les mettre en ligne, faire comme pour les pots. Ça a l'air de fonctionner, donc on va faire ça. Oh, je vais le détruire. Il a détruit la maison de poupée. C'est la deuxième fois qu'il fait ça. Oui, alors du coup, j'ai changé. On n'avait que des jeux plein air pour le mouvement. Et on n'avait rien pour l'imagination. Et comme l'imagination, ils sont un peu à la ramasse, j'ai pris une maison de poupée qu'on va aller réparer de suite. Ah mince, il lui demandait peut-être d'aller sur le pot. Ah, j'ai fait annuler l'interaction, c'est pas grave. On va céder de la maison de poupée pour l'imagination. Je vois que c'est aussi le jour de l'amour. On va s'en occuper juste après. Réflexion, donc on va les mettre sur les cubes. Et en vrai, je suis assez confiante, puisque les règles du défi et le but du défi, c'était de ne pas se faire enlever un seul bambin jusqu'à leur anniversaire. Je pense qu'on en est très loin. Je doute qu'il y ait un enlèvement de bambin d'ici la fin. Alors attendez, je vais aider à prendre aller sur le pot à Joss. Voilà. Donc oui, je doute qu'on se fasse enlever un seul bambin avant la fin du défi. Il fallait monter leurs compétences le plus possible. Globalement, je pense que d'ici la fin du défi, tout ce qui est mouvement, peau et communication, c'est sûr, on a tout, c'est terminé. Réflexion, imagination, je suis moins confiante, mais pourquoi pas. Imagination, j'ai l'impression que ça avance bien avec la maison de poupée, donc pourquoi pas. Et puis compétence peau sur... compétence peau sur peau. Compétence peau 3 sur 3 à la fin du défi, ça je... Il nous en reste que deux qui sont à la ramasse, donc je pense que ça devrait être ok. Du coup, je vois que c'est le jour de l'amour jusqu'à 2h du matin. Il est déjà 11h du matin. Être romantique, offrir des fleurs, aller à un rancard. On ne peut pas aller à un rancard. Ah si, on peut aller à un rancard, mais il faut que ce soit dans la maison, quoi. Parce qu'on ne peut pas les faire garder. Je les ai fait garder une fois déjà sans faire exprès. Et on a le droit, quand on commence avec un humain, mais on a le droit qu'une fois. Ensuite, c'est terminé, on a perdu le défi. Donc je ne peux pas aller quelque part, sinon je perds le défi. Alors, les petits cubes. On a dit réflexion, qui est le plus à la ramasse? Tout le monde, en vrai. Tout le monde. Alors, qui ne dort pas? Donna ne dort pas. Apprendre à construire une tour à Donna. On va faire ça. Je vois que Norine est ici, elle va jouer à la poupée. Robson, il est ici.
Rejoindre et jouer à la poupée, ça me paraît bien, ça me paraît mieux. Il a envie de dormir, mais c'est pas grave. Va jouer à la poupée et t'iras mieux dormir après. Tu feras de très jolis rêves. Joss, il est tout content. C'est bien. Il en est où? Ici. Ah, il peut pas encore. Il peut pas continuer. Hein. Enfin, il peut pas essayer d'aller sur le pot tout seul encore. On n'en est pas là, mais ça vient. Faire une sieste. Je pense que dormir, ce serait peut-être mieux. Voilà. Il a envie de faire pipi, Spencer. Alors, tu lui apprends juste à faire une petite tour et ensuite on ira faire pipi. T'inquiète. Utiliser les toilettes, t'as besoin de quoi ensuite? T'as faim et t'as besoin de dormir. Attends, on va te nettoyer ça et on va cuisiner, servir le déjeuner. Macaroni au fromage, il y a du lait, pas bon. Sans lactose, on va faire ça. Hop, il y a ça, il y a ça. Voilà. Ensuite, on a Jamie qui est ici. Il a faim, il a besoin de dormir, on va dormir pour le moment. Il y en a un qui s'est réveillé, qui était censé aller au lit, on est d'accord. C'est Joss. Joss, il était censé dormir. Voilà. Où est-ce qu'on a encore des bambins? On en a un ici. Chester. Chester, il a besoin de quoi? Il a faim, il a envie de dormir. Est-ce qu'il peut jouer? Non, il peut pas jouer. Il faut qu'il demande de l'aide. Tiens, tu vas aller sur le pot. En attendant, on va essayer de les occuper le plus possible et ne pas les laisser vagabonder comme on faisait jusque-là. On va essayer d'accélérer un petit peu le rythme. Alors, oh là là, Nancy, oui, mais on peut pas accepter de cette manière, qu'on accepte d'une autre manière. Est-ce que, en vrai, ça on n'en a pas besoin, parce que de toute façon on n'arrivera jamais à... On l'a inscrit pour qu'il soit dans l'informatique et qu'il fasse quelques missions, mais en réalité on n'y arrive pas, donc ça ne sert à rien. On peut pas lui mettre un petit lit tout confort, alors peut-être pas tout confort, mais un lit double au moins, histoire de pouvoir faire des cochonneries avec Nancy. Je peux pas mettre ça à cause de la porte. À cause de la porte, en vrai, lui, il sert à rien. Hop. Mais j'ai une salle de bain qui est là. Alors attendez, je réfléchis. Si on en met deux par chambre en vrai. Attendez, il y a un cube qui traîne ici. Hop, on va le mettre ici. Là, on va faire ça. Hop, il y a un cube qui traîne là. Ah oui, non, mais on va pas les mettre là, on va les mettre là. Hop, hop. Et du coup, si je fais ça, que je mets la porte ici et qu'ensuite je dis que je veux aller jusque là, ça passe. Et là, on met un petit lit pour lui et Nancy. Voilà. Et normalement, ça devrait fonctionner. Ok. Alors, on va dire à Nancy, je t'en prie. Viens ici. Invité. Mais oui, on sait, Nancy, tu ne peux plus te passer de nous, mais on peut pas quitter la maison. Donc il faut venir. Oh là là, mais les plantes. Oh, j'avais complètement oublié les plantes. Mais on n'a pas le temps en vrai. On n'a pas du tout le temps. Attends. D'abord, on appelle Nancy. Il y en a. Est-ce qu'il y en a qui ont faim? Genre Norine, elle a faim. Viens te servir. Robson, il faudrait qu'il aille sur le pot en vrai. C'est pile le moment d'aller sur le pot. Tu vas aller sur le pot. Ensuite, tu iras prendre une portion et ensuite tu iras dormir. C'est très bien. Chester. Allez, on y va, on y va. Nancy, elle va arriver. Chester, tu vas pouvoir prendre une portion. Donna, elle est toujours avec ses cubes. Joss, il peut aller dormir. Hop, va dormir.
Nancy, on va te proposer offrir un cadeau de l'amour. Mes écouteurs, parce que je n'en ai pas besoin. Waouh, quel beau cadeau! C'est pas grave. Hop, ça on s'en fiche, ça on s'en fiche. Donna, elle a quoi? Elle a faim. Tu peux prendre une portion et ensuite tu iras dormir dans un lit libre. Oh là là, petit cadeau. Regarde mes écouteurs. Tu en as une paire aussi, mais ce n'est pas grave. Oh non. Ok. Il faut être romantique et aller à un rancard et offrir des fleurs. Comment j'offre des fleurs? Acheter un cadeau sur le téléphone. Oh, attendez. Acheter un shopping? Acheter des cadeaux. Des fleurs. Des champignons, ça fait pas office de fleurs. Attendez, il y a un truc. Oh, il n'y a rien. Où est-ce qu'il y a des fleurs? Marguerite. Allez, une seule parce que, hein. Ah, mais on est riche avec ce qu'on a vendu dans la chambre. C'est pas grave, une fleur, c'est très bien. Jour de l'amour. Offrir une fleur. Une fleur ou c'est un bouquet de fleurs? Offrir des fleurs. Bon, une seule, ça passe. Une seule, ça passe. On peut l'inviter à aller à un rancard? Comment on fait ça? Comment on fait proposer un rancard? Non, attends, laisse-nous. Robson, il a besoin d'aller sur le pot. Va sur le pot. Ah, il est fatigué. C'est pas grave. Meilleur rancard. Avec un enfant. Ah, ah non, 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 non. Non, moi je veux aller au domicile. Ah, ici. On a évité la catastrophe. Dansez avec votre rancard et flirtez avec votre rancard. On va faire du zapping ensemble, non? Est-ce que allumer ambiance du carnaval et on va danser ensemble. Ah non, 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 attends. On n'a pas fini notre rancard. Bon, bah le temps qu'ils dorment. Je vais rebaisser ça. Qui avons-nous? Chester. Chester, dodo. C'est bien, c'est ce qu'il est en train de faire. Robson, il va sur le pot. Noreen. Noreen, elle veut quoi? Elle va s'évanouir. C'est pas grave, tu iras dormir après. Donna. Donna, elle a faim. Donna, prends une portion. Ok, il est réveillé. Ils vont dormir. Ils vont danser ensemble. Impeccable. Très bien. Mais que fait-elle? D'accord. Petit aller-retour devant, dehors. Et ensuite rentre. D'accord. C'est très bien. Elle est choquée par le petit qui est tout nu. Mais t'as eu un fils, Nancy? Tu sais ce que c'est quand même. Bon, ok. Ton fils était tout seul. Tu ne pouvais pas en mettre plusieurs en ligne sur des pots. Mais ça va, fais pas ta choquée. Alors. Qu'est-ce qu'il nous fait, Chester? Il va au lit? Oui, il va au lit. Noreen. Noreen, elle est fatiguée, elle veut dormir, va dormir. On en a un ici qui fait la sieste. Au lieu de dormir, Joss. Dodo. Non, merci. Flirtez avec votre rancard. Enlacé. Oh, enlacé. Non, attends, Donna, t'inquiète, t'inquiète. Et tu sais quoi? Donna, elle est indépendante. Elle fait sa vie. Ne t'inquiète pas pour elle. Non, mais pourquoi tu la portes? Prendre dans les bras. Mais non, laisse-la. Laisse-la, Donna. Elle va aller faire dodo. Elle n'a pas besoin de toi. Hop. Il faut qu'on flirte avec elle. Flirter. Oh, elle nous fait peur. J'ai failli l'insulter. Technique de drague. Flirte. Complimenter l'apparence. Tu es bien belle, ma Nancy. Flirter avec un rancard en étant enjôleur. Ce qui est le cas. On va lui offrir une rose. Est-ce qu'il faut offrir une rose? Être romantique, aller à un rancard. On y est pour le rancard. Est-ce que tout le monde dort? Oh, oui, bien sûr. Bien sûr, Spencer est romantique. Ici, ça ne dort pas. Pourquoi ça ne dort pas? Y a-t-il un lit de libre?
Oui, va dormir. Ici. Il va dormir aussi. Là-bas, ça dort. Oh, que se passe-t-il? Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, oui. D'accord, ok. C'est par rapport au rencard. Ici, je vois que ça fait une sieste au lieu de dormir. Et normalement, on devrait être bon pour les petits. Donc, le temps qui. Le temps de leur dodo. Non, ne va pas voir, Jamie. Tout va bien. Faire un massage à votre rencard. Alors. Intimité physique. Non. Affection. Non plus. Flirt. Je ne peux pas la masser. Pourquoi je ne peux pas la masser? Envoyer un baiser. Pourquoi je ne peux pas la masser? Murmurer suavement. Avouer son attirance, tout à fait. Complimenter l'apparence. Attendez. Peut-être à cause de ça? Non, il va s'évanouir à nouveau. Attends, Spencer. Oh non, attends, on n'a pas fait son massage à Nancy. Ah oui, super rancard, hein. Il y en a un qui dort pas. Il y en a un qui dort pas. Ah ouais, bah oui. On l'a enfermé. Oh non, on a fait ça, on a enfermé le petit. Oh non, j'ai fait ça. Tu m'étonnes qu'il pouvait pas aller dormir depuis tout à l'heure. C'est pas grave, tout va bien. Ok. Oh, super. Allez. Enlacé. Pourquoi je peux pas lui faire de massage? Oh, baiser passionné. Avouer son attirance. Ouh là là. Ouh. Je peux pas la masser. Demander d'être sa petite amie. Mais elle est mariée, Nancy. On est d'accord qu'elle est mariée. Tu es tellement drôle, j'adore passer du temps avec toi et j'espère que c'est réciproque. Qu'est-ce qu'il fait? Retourner sur le terrain, d'accord? Mais on est d'accord que Nancy, elle est censée être mariée. Je suis pas censée pouvoir lui demander d'être notre petite amie. On est d'accord. Par contre, pourquoi je peux toujours pas l'amasser? Je sais pas pourquoi je peux pas l'amasser. C'est pas grave. Oh, Nancy prend les devants. Très bien. Peut-être parce qu'il faut que je lui demande ceci. On a un enfant qui ne dort pas. On a un enfant qui ne dort pas. Dormir. A trop peur. Faire une sieste. Ok, est-ce que je peux la masser? Essayer d'avoir un bébé. Proposer un massage. J'ai vu quoi? Attendez, j'ai vu un truc. Intimité physique, plus de choix. Faire crac-crac sur un objet hors du commun. Faire crac-crac avec votre rancard. Faire crac-crac avec Nancy. Essayer d'avoir un bébé. Ah mais oui, parce que c'est pas nous qui allons avoir le. Oh, le drama. Elle revient enceinte auprès de Geoffroy Plenosas. Oh, ça c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. On va leur laisser un petit peu d'intimité. Alors, Robson, ça on est où? Robson, il a faim. Hop, tu vas aller prendre une portion. Et ensuite, tu vas aller sur le pot. Qui d'autre est réveillé? Personne d'autre n'est réveillé. Mais t'es sorti de la chambre pour t'évanouir ici? Oh, Nancy, c'est très sexy tout ça. Tu vas peut-être pas sortir comme ça devant les enfants, si? C'est qui ça? Jacques Villarreal. Je sais pas pourquoi il y a des gens, ils viennent, je ne les connais pas, je sais pas pourquoi ils sonnent chez moi. Donc oui, au niveau des compétences, ouais, imagination, je pense que c'est ce qu'on aura. Réflexion, moi j'ai un doute.
qu'on termine le défi avec une compétence réflexion à bloc. Je pense vraiment pas qu'on y arrivera. Je suis un peu défaitiste là. Mais ouais, je pense pas. Je pense pas qu'on y arrivera. Bon, je les laisse dormir et puis je vous retrouve quand tout le monde est réveillé. Ok, tout le monde est réveillé. La compétence réflexion, on n'a pas du tout avancé sur cet épisode en réalité. Va chercher Joss. Il faut qu'il aille prendre à aller sur le pot. Mais Jamie, il reste tout seul dans sa chambre, dans le fond, et il va jamais manger, et après il se plaint qu'il a faim. Qu'est-ce qu'il faut ? Va manger tout seul. Comme un grand. Flûte alors. Qu'est-ce qu'elle fait, Norine ? Je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle marche sans but. Elle va aller manger alors qu'elle a déjà... Ah non, ok, très bien. Je crois que c'est les formes, c'est pas construire une tour. Je crois que construire une tour, c'est mouvement. Et forme, c'est réflexion. Et en fait, depuis le début, je fais pas ça comme il faut. C'est fort probable. Fort probable. Non. On s'en fiche. Joss, qu'est-ce qu'il y a? T'avais un petit accident sur le pot. Mais c'est rien. Tout va bien. Tiens, on va t'apprendre à... faire des formes. Hop. Voilà. Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il s'enfuit? Est-ce qu'on est obligé d'aller si loin pour en parler? On est obligé d'aller si loin pour en parler. C'est ouf, ça. Jamie. Allez sur le pot. Ouais, là, ça joue la réflexion. Depuis tout à l'heure, je le fais pas bien. Toi, tu vas venir ici aussi. Hop, enseigner des formes à Robson. Et ensuite, on ira enseigner des formes à Chester. On va y arriver, hein. Joss, qu'est-ce qu'il y a? Compétence peau. Ah oui, il faut encore que tu demandes de l'aide. On en est encore là. Joss, que fais-tu? Tu es en retard. Jamie. Jamie, allez sur le pot. Zou. Améthyste, réflexion. Pourquoi tu la poses là? Attends, laisse Joss, t'inquiète. Non, laisse Joss. Laisse-le. Enseigner des formes. Améthyste. Tu te compliques la vie, Spencer. Laisse-les, ils sont grands. Ils y arrivent tout seuls. Oula, il y a eu un bug, vous l'avez vu aussi? Très bien. Ok, améthyste. Joss, on a dit, compétence pot, il faut lui apprendre. Prendre aller sur le pot. Joss. Hop, ici c'est bon. Suivant. Qui ne dort pas? Les autres dorment, très bien. Chester, il a fini. Chester, il faut qu'il apprenne. La compétence imagination, joue à la poupée. Ensuite, Jamie. Jamie, terminé. Jamie, tu vas continuer d'apprendre à aller sur le pot. Oui, on y est presque. On y est presque et Joss pourra aller sur le pot tout seul. Oh, mais quel bonheur. Oh oui, allez. Oui, on te demande pas ton avis, va sur le pot. Oui, Nancy. Je sais, Nancy. Mais d'abord, on apprend à aller sur le pot à Joss. Ensuite, quand il pourra aller sur le pot tout seul, on verra pour se revoir. Je crois que c'est bon. Attendez. Joss. Oui, c'est bon. Il a la compétence 2. Impeccable. Hop, astiqué. Hop là. Astiqué. Hop là. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Ok, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. On en est où, ils grandissent quand? Ils grandissent dans 2 jours. Dans 2 jours. Je pense que le prochain épisode sera le dernier. Je pense, du coup. Puisqu'à mon avis, ils vont grandir dans le prochain épisode. Au niveau des compétences, on en est... on n'est pas trop mal, en vrai. On a plus ou moins 2 compétences au max par bambin, à part Jamie, Chester, Robson et Norine. Eh, pas tant, pas tant. Hein. On a entre 1 et 2 compétences au max par bambin, plus ou moins. Sauf Jamie et Robson.
Donc c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Allez, rentrez chez nous comme ça. Ok. Très bien. Mais on a trop de personnes qui viennent. Cassandra Gothic, bonjour. Bref, oui, je continue alors que j'ai dit que je m'en allais. Eh bien, je vous laisse ici pour cet épisode. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.